c'est terminé pour ces deux points. Maintenant, Valérie ? Oui. Maintenant, où en sommes-nous sur les indicateurs handicap ? Nous avançons doucement sur le sujet, mais sûrement. Il n'est pas simple de recruter des personnes en situation de handicap, ni même de convaincre nos propres collaborateurs de se déclarer. Les mentalités sont longues à évoluer. En clair, nous n'avançons pas sur le sujet. Si, si. Mais non, nous n'avançons pas sur le sujet. Je vous le dis, moi. Bougez-vous. Oui, bougez-vous, sinon c'est moi qui vais en trouver autour de cette table. Des handicapés. Alors ? Rien à déclarer ? Moi, Simon, je vous ai trouvé la perle rare. Ah, ma petite Marie. Pour un de mes postes que j'ai ouvert, je vous ai trouvé la personne qui va répondre à tous les objectifs handicap et qui plus est de la diversité. Alors comme elle arrive dans 15 jours, j'organise un petit déjeuner d'accueil et puis je vous la présente. On verra bien. Bonjour à tous, merci d'avoir pu vous libérer pour ce petit déjeuner d'accueil. Donc je suis ravie d'accueillir notre nouvelle collaboratrice qui nous vient tout droit du groupe, du siège. Alors comme vous avez pu remarquer, c'est une femme qui plus est habitant dans une zone d'éducation prioritaire. On pourrait l'appeler Seniora puisqu'elle va nous faire bénéficier de sa longue expérience en entreprise. 25 ans, dis-je 30 ans, 30 ans d'expérience. Ah, je vous demanderai d'être au petit soin avec elle, étant donné que c'est une personne reconnue handicapée. Hein. Ah, ben voilà. Bonjour. 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 Et je dois dire que je suis un peu troublée par la présentation que je viens d'entendre. Vous avez oublié deux détails. Et mon prénom est Sophia. Et ma fonction dans l'entreprise est responsable contrôle de gestion. Et sinon, votre accent est très joli. Vous êtes de quelle origine ? Vous êtes de quelle origine ? Ouais, ça bug un peu. Alors, tu l'as bougé là, non? À gauche ou à droite, Régis?